Ouais. C'est comme ça qu'on apprend à faire les galettes à l'école en Bretagne, c'est qu'on apprend à les faire à la main. Si demain ton robot il tombe en panne, si demain tu n'as pas de quoi, tu n'as pas d'électricité, tu peux quand même faire ta pâte à galette. Mais pendant un quart d'heure, comme ça, il faut taper. En fait, on dit on tape la pâte. On tape la pâte. C'est comme la feuille, la main. Exactement. On fait ce geste-là. Et pour le coup, s'il faut vraiment le faire, parce qu'on active le bacille qu'il y a dans le sarrasin, et c'est ça qui fait qu'on peut le digérer très bien. Et souvent, il y a des gens qui disent ah, j'arrive pas à digérer le sarrasin. Bah ouais, parce que tu es tombé sur un crêpe qui ne sait pas travailler, qui n'a pas fait la pâte, qui n'a pas laissé reposer. L'idéal, c'est que l'appareil en plus aussi laisse reposer. Ouais.